C'est l'un des grands projets de la réforme de l'assurance maladie. En juillet 2007, nous devrions tous disposer d'un dossier médical personnel informatisé. De quoi s'agit-il ? Concrètement, le dossier médical personnel va comporter un volet identification, avec l'identité et coordonnées de la personne, un volet de données générales, qui va porter sur les antécédents, sur les allergies, sur les intolérances, un volet soins, avec les pathologies actuelles et leurs différents comptes rendus diagnostiques, biologiques, hospitaliers, les prescriptions médicamenteuses dont je parlais à l'instant. Un volet image également, avec les documents d'imagerie médicale, et un volet prévention avec les actions de dépistage entreprises, les facteurs de risque. Et il y aura aussi un espace personnel où le patient pourra librement s'exprimer et porter un certain nombre d'informations qu'il souhaite faire figurer sur son DMP. Chacun pourra faire le choix d'avoir ou non un DMP et librement décider des accès à chacune des informations. Si par exemple il souhaite insérer des comptes rendus d'hospitalisation qu'il a conservés ou des résultats de biologie qu'il a conservés, il peut les ajouter pour les porter à la connaissance des médecins et professionnels de santé qu'il va voir. De la même façon, il peut aussi décider de masquer certains documents qu'il ne souhaite pas porter à la connaissance de l'ensemble des professionnels de santé qui ont accès à son DMP. Et c'est lui qui décide quels documents il laisse visibles et quels documents il souhaite masquer. Le DMP est la propriété du patient, c'est lui qui décide s'il veut en ouvrir un ou pas, et c'est lui qui décide qui peut accéder ou pas à son DMP. La logique, c'est bien évidemment que l'ensemble des professionnels, des médecins, des infirmières, des pharmaciens que le patient voit régulièrement puissent avoir accès à son DMP, puisque l'objectif du DMP, c'est bien évidemment de favoriser la prise en charge coordonnée et la qualité des soins pour le bénéfice du patient. Côté sécurité, c'est un véritable défi pour les hébergeurs de données, mais c'est aussi une préoccupation majeure pour les patients. Donc on a mis en œuvre pour le DMP un ensemble de moyens techniques très complexes, qui sont à la fois des moyens de cryptographie, des moyens d'authentification, des moyens de protection par des systèmes comme des pare-feux, des sondes anti-intrusion, qui permettent de surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout ce qui se passe sur le DMP. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce niveau de protection est extrêmement élevé, plus élevé que par exemple dans tous les sites bancaires actuels, et que les risques qu'encourrait quelqu'un qui ferait une tentative d'effraction sont très élevés, puisque la loi prévoit des peines, des amendes et des peines de prison. Le DMP est un beau projet, mais aujourd'hui, ce n'est qu'un projet au stade expérimental. Espérons qu'en juillet 2007, il soit accessible à tous.